les années 60. Alors que la guerre froide oppose les États-Unis à la Russie, en secret, Snake s'équipe afin de secourir le professeur Nikolai Sokolov, créateur d'une redoutable arme de destruction massive, le Chagorod. Dès son atterrissage, l'immersion est totale. Camouflé et furtif, Snake se fond dans la jungle pour déjouer les rondes ennemies et rejoindre Sokolov avant que le piège russe ne se referme sur lui. Entre Snake et la liberté se dresse une femme, The Boss. Mentor et amour de jeunesse de notre héros, cette dernière trahit les États-Unis pour la Russie en s'alliant au cruel colonel Volgin. Alors que Sokolov est mystérieusement capturé, Snake doit s'incliner pour la première fois. Sous la violence de la chute, c'est un miracle si notre héros survit. Mais pendant qu'il soigne péniblement ses blessures, le colonel Volgin, plus machiavélique que jamais, décide de détruire une base russe et de faire passer les Américains pour responsables. La mort vient de frapper, ne laissant s'échapper qu'un murmure, un sifflement, celui du serpent. Foi de Big Boss, action sans concession et révélation fracassante n'auront de cesse de rythmer Metal Gear Solid 3, le plus sombre, mais surtout le plus passionnant des chapitres ayant marqué la vie de Snake. Cruellement venimeuse, l'opération Snake Eater peut enfin débuter.